Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve sur Child of Light pour l'épisode 15. Tu vas peut-être prendre le coffre avant. Non, parce qu'il faut que je batte le boss. Non, mais je clique dessus, comme ça il bougera pas. Non, j'ai pas envie. Oh. T'arrêtes de bouger. T'arrêtes. Ah. Ouh. Là, regarde. Non, c'est rien. Oh. Ah, pardon. Je comprends pas où faut les mettre, en fait. Bah, ce que je comprends pas, c'est que... Ah, ah d'accord, dans l'ordre. Ouais, celui-là d'abord. Mm. Mais il y a pas, en fait, celui-là. Si ? C'est le plus petit ? Non. Si, c'est le plus petit, ça m'a l'air d'être celui en premier. Mais où ? Ah. Ah non, ça fait pas du tout le même symbole en fait. Ah bah, pourquoi tout à l'heure ça a pas marché ? Parce que c'est obligé de faire dans l'ordre. Je pense que je suis obligé de les faire dans l'ordre. Donc maintenant, c'est celui-là. Et après, celui-là. C'est celui-là. Et celui-là. Et celui-là. Ouais. Mais du coup, on n'a pas tout bien fouillé, hein. C'est pas grave. Vers le palais du soleil. Oh, comment t'es pressé de finir le jeu ? Bah oui, en fait, j'ai hâte de savoir comment ça finit. Voilà, ça sent le boss, là. Bah, on vient d'en avoir un. Non, mais des vrais... C'était un vrai boss, arrête un peu. Je pense qu'il faut attendre que celui-là se referme. Non. Monte. Je peux pas monter. Ressort là. Il y a peut-être un autre chemin qu'on n'a pas vu. Là. Attention. Je l'avais pas vu. Hop là. Aurora. Il commence à avoir des PV là un peu. Oui. Et en plus tu vas pouvoir lui en mettre plein la gueule avec ton nouveau sort. Leur en mettre du coup. Oui. Lui j'ai peur qu'il soit pas sensible à la lumière. Pourquoi t'as pas provoqué ? Parce que c'est un petit combat. Ouais c'est ça, il est pas sensible à la lumière en fait. Oh le connard. Les oiseaux en général dans les jeux sont sensibles à la foudre. C'est dans Pokémon. Non, en général. Merde, je suis conne. Je t'interdis d'acquiescer. Bah, il y avait une chance sur deux. T'as pas envie de provoquer, hein. Non, j'ai pas envie de provoquer, j'ai envie de lui faire mal. Regarde, 281, bim. Tu vas pas me saouler, en plus, regarde, il se fait attaquer tout seul. J'allais dire, pourquoi tu me ralentis, en fait ? Le projet. Voilà. Non mais où ? Tu l'as vu la provoque ? Ouais. Oh putain, d'accord. Mais vite ! Je t'ai ouvert le truc. Toi tu tiens ça. Il y a un truc en bas qu'il faudrait que tu prennes. Oh ! Faudrait que je les active d'ailleurs. Tu les as jamais vus ceux-là ? Non. Je suis bête. Ils sont sensibles à l'eau, je sais plus quoi. Au feu, foudre, je sais plus quoi. La première fois que je l'ai vu faire ça, je me suis dit, il va pas rester comme ça. Non, ça se tente pas. Dans mon monde à moi, ça se tente pas. Peureuse. En plus, regarde, elle nous a tapé tous les deux. Donc, peureuse. Regarde, ça me permet de retourner tranquille. Oh.
Oh la petite peureuse, elle est amoureuse. Ah oui. Bah, c'est bizarre hein, de jouer sans la souris. Hein oui. Bah alors, j'ai besoin de tes conseils pour que ça se passe bien. Oui. Non. Sans moi, t'es perdu. Oh oui. Allez, descends. C'est beau le rêve. Je sais pas si faut l'amener par là, mais bon. Tu veux pas aller... Il y avait un autre truc là-bas. Attends. Ah, faudrait savoir. Ah. Ils m'ont pas marre de me faire grimper. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai dit, putain, c'est quoi ce gros monstre en haut? En fait, c'est un piqué. Je vais éternuer. Atsum. Atsum. Pardon. Il faillit faire prendre la douche au chat. Mais j'étais pas dessus, vous l'avez rêvé. Ouais, ça. Ça va. Il faut juste qu'il arrive à attaquer en premier. Voilà. Éclair plus. Plus, plus, plus. Ah bah il est vulnérable aussi à la foudre le gros. Bah oui. Ouais. Donc là on l'a fait tout à l'heure. On l'a fait il y a juste deux minutes même pas quoi. Ouais c'est bon, c'est pas parce que je suis pas que... Bah ouais non mais tu suis vraiment pas, regarde. T'as vu comment tu fais des conneries là? Arrête. On a qu'en raison hein, on se demande à quoi tu sers. Ouais. Comme moi d'ailleurs. On a 519 points de vie, lui, quand même. Mais merde, il est pas mort. Ah merde, je croyais qu'il était mort, moi. Je le voyais plus. Chiotte. Mais bon, ça va, je vais te calmer. C'est un Magikarp, en fait. Un mec qui fait des éclaboussures qui font des dégâts. Lui, ça, lui quelque chose se passe, ouais. Ah, là, la Magikarp. Ah, je suis bien, Stellar. Oh je veux bien que ça se transforme en, Léviator, hein, mais... En Léviathan, Léviator. Oups. Oui. Tu vas te la prendre, ta branlée. Non, pas ta branlée. Bah oui, bien sûr, bien connu. Allez vous faire foutre! Il m'énerve quand je fais ça lui. Ah, il contre-attaque sa mère. Sa mère, tu la connais? Ouais, c'était le caillou qui avait en dessous. Comment un caillou peut engendrer un aigle de pierre? Comment une roche glacée? Ah mon cœur! Tu me laisses prendre les trucs. Ah tu te calmes hein? Sinon, tu peux pas me laisser faire les trucs. Un peu de dextérité, mademoiselle. Bon, voilà, tu vois, tu sers plus à rien. Comme d'hab. J'ai dit plus. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le temps. Oh. Allez, vas-y, comme ça, c'est génial. Il va crever. J'ai perdu 200 points de vie à cause de cette connerie. Fais inventaire. Et ça. T'es sûr? Parce que si je ramasse des trucs, ça va allez te faire gagner. Allez! Oh, mais. Ah, c'est moi qui ai la souris. Tu me gonfles. Plus quand c'est toi qui décides. T'es même pas descendu. Oh oh. Ne dis pas que je vais commencer le combat contre elle avec 100 points de vie. Ça pour le coup c'est un vrai tché boss parce que c'est une des personnages principales donc là elle devient quoi? Bon un truc pas beau je sens. Ah d'accord, bon.
Ça va me donner la possibilité de me heal avant. Oh putain, la connasse. La connasse, ça fait des dégâts. Voilà, lui j'ai la foudre de la mort. Toi il t'en manque un. Toi aussi. Tout ça. Ah merde, et comment je suis censée ouvrir ça? Descends, je pense. Chut. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Je prends sa crème en chair. Prends le coffre. Les deux. Tu peux pas me soigner quand on est hors combat. Non, je crois pas. Non, plus bas, plus bas, plus mais bas, j'ai pas bas. Fait exprès. Plus bas. Allez, en face. Putain, c'est pas là. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, mon cœur. Attention. Allez, vas-y, casse-toi. Mon cœur. J'ai oublié. Putain, tu vas plus avoir d'énergie. Eh merde, à chaque fois ça me fait ça. Attends. Allez. Ouais, sauf que. Avant. Vraiment que je la soigne. Allez, soigne-toi, mon cœur. Ça y est. Je le... Putain. Ça... Oh putain, la comte Saras. Comte Saras. Désolée, je te laisse pas trop le temps. Vite. Et le truc à côté. Attends. C'est bon, César, tu fais. Une ruse ne peut m'arrêter, ouais! Trop dark. C'est ça. Soul. Pour une fille avec des cheveux roses, ouais. Bon, allez, je veux savoir en quoi tu te transformes. Oui, comme j'ai désactivé. L'ombre, elle, je crois que c'est à l'ombre qu'il faut que tu la tues. Comme. À l'ombre? Non, elle est. Attends, elle était. Rien du tout, mon cœur, c'est pas le même boss, hein. Ouais, mais. J'ai lu sans faire exprès comment la battre. Sans faire exprès. Elle a deux tentacules. Et ben elle attaque à l'eau, à la foudre avec... C'est un peu ça. Putain, mais elle va me saouler. Allez, fine. Finouné, en plus tu as augmenté ta magie. Autant qu'il a pas. Oh, c'est clairement... Putain, déjà ? Et il est arrivé avec 200 PV, mon cœur. Mais comment ça se fait? Mais j'en sais rien, je pense que tout le monde prenait des dégâts pendant qu'il s'est empoisonné. Ouais, mais du coup, je fais comment? Moi, j'ai plus de popo de vie. Ben, faut que tu les fasses se soigner. Bah ben ouais, mais... Bah, ben, j'utilise toute mon putain, énergie pour toi. Putain, trop vite. Attends, mon cœur, laisse-moi... Parce que pendant que c'est en poche, je peux te soigner, par contre, l'inverse, je peux pas. Pendant... Et il y a encore deux fleurs, je les utilise, je bouffe la fleur dès que... Heureusement, il est résistant à l'eau. Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Ouais, mais elle aussi, quoi. Faut peut-être que tu envoies Robert et que tu fasses des coups de flèche à tout le monde. Ralentissante.
et que tu le tentes en faisant un maximum de dégâts. J'ai plus d'énergie. Je suis désolé. C'est bien, Robert, mais c'est trop tard. Elle est quand même vachement plus jolie dans sa forme normale, hein. Ah putain! Elle est où sa juste... deuxième tentacule? Pas de contre. C'est cool. Est-ce qu'elles vont vite ces tentacules de merde? Ça passera pas. Essaye quand même, avec un peu de chance, si t'apprends l'autre. C'est là. Oh putain! Ah mais la race quoi! Bah ouais. Bah non, c'est pas cool. Bah oui et non, tu vas pouvoir mettre enfin le deuxième ralentissement. Voilà. Putain, mais il a plus que 89 points de vie. Ah! Voilà, aïe, aïe, super. Aïe. Et tu as quelque chose pour J'aime pas du tout le nom de cette compétence. Super. C'était quoi le nom truc du chaos. Aïe. Baiser du chaos. Super. Premier game over du jeu. Bon, ça va, t'as pas... Attends mon cœur. Vérifie que tout le monde est bien soigné comme il faut. Bah oui, ils m'ont remis au début. Moi, je pense qu'ils m'ont remis. 313. Oui, voilà. Donc tout le monde est full life, full mana. Du coup, tu penses que je fais quoi? Je pense que tu envoies. Robert direct. Robert pour ralentir. Et le truc, c'est que c'est 3 tours le ralentissement. Et du coup, moi je suis perdu, je sais pas qui je dois ralentir. Essaye de faire du dégât ou ça passera pas? Essaye de faire du dégât. Ça passera pas. Ouais, ça passera pas. Putain, j'ai pris la plante sans faire exprès, chier. Ouais, putain, je me suis dit provoque ça passerait, mais non. Maintenant, vu qu'il a toute sa vie là, je vais essayer de le garder jusqu'à ce que tout le monde soit ralenti. Tant pis pour les dégâts. Faut qu'il prend quand même vachement cher. Attaque mon cœur. Parce que le problème c'est que. Ouais, mais on a fait la même chose au tour d'avant. Mais t'as provoque. Oui, t'as vu comment il prend cher? Hé hey. Ok. Il y a des trucs sympas dans les potions. Mais non, quoi. J'en ai 20, ça montre bien que je les ai jamais utilisés, quoi. Je sais pas combien de temps ça dure, par contre. Du coup, il peut pas être interrompu, donc go. Robert, peut-être, pour ralentir les tentacules qui te font chier depuis le début. Ouais, elles sont trop rapides, c'est horrible. Et lui, il a pas la potion. Ah oui, non mais c'est bon. Les deux tentacules se font être repoussés là. Moins de une.
Et à la limite, tu ralentis que les tentacules et tu laisses tomber une fois que t'as ralenti les deux tentacules, tu renvoies Robert pour éviter qu'il prenne trop de dégâts. C'est Robert là. Oui, mais tu le renvoies, tu remplaces par quelqu'un d'autre, tu remplaces par Aurora par exemple qui peut soigner Flint. Flint. C'est très bien, bien écouté. Allez. Il y en a qu'une, mais c'est déjà bien. Tu veux l'entraver quand même? C'est toujours ça. C'était quoi ce TP de compétence là? Eh ben, c'est parce que c'est une compétence instantanée, mon cœur. Ah, mais super, vu que j'avais déjà lancé le sort, là, Simnik, c'est fini, quoi. Et en plus, ils ont déjà tous les deux perdu ralentissement. Super. C'est génial. Bah, c'est 3 tours, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait. Mais c'est génial. Je les compte, les tours, mon cœur. Oui. Je peux à peu près être sûr qu'à chaque fois qu'il fait gueule de baiser du chaos de merde, là, bah, j'ai l'impression qu'il crève, quoi. Il faudra lui faire dégommer les putains de tentacules. C'est bon. Et crevé putain de tentacule. Oh ouais. Ah ouais. Ah, ça le donne pour les deux. J'ai une potion qui donne pour les deux. Et merde, j'aurais dû prendre une potion de mana. Mais j'ai plus rien. De me rôter à la gueule. Pff, faut toujours essayer. Hein. Mon petit vieillard. Vieillard cheaté, quoi. Ah, ça disparaît au bout d'un certain temps. Parce que j'ai touché sans faire exprès. Mon but, c'était pas de l'utiliser. Ah, il fait mal. C'est bien, Aurora. J'ai rien pour le soigner, ça me fait chier. Faut que je le soigne. Elle a pas de soin, Aurora ? Si, mais faut que je le soigne le prochain tour. M'en fous, il peut pas l'interrompre si c'est lui. Ouais, mais bon, il a plus beaucoup de PV. Il est fatigué. Putain, comment il va trop vite dans l'exécution, ouais. Ah, il vient de se mettre le truc qui permet de pas l'interrompre. C'est le truc le moins grave qu'il pouvait me mettre, même. Plus de PM bientôt. Mmh. Oh, c'est bon, là, tu vas le tuer. Ouais! GG, mon cœur. Le paf, c'est un gros bras d'honneur à cette connasse. Je me suis fait mal. T'as mérité un bisou, moi, je dis. Putain, ils sont niveau 40, quoi. Mais je sais pas qu'on a elle direct derrière. Hein.
Tu vas pas le faire quand même. Ça y est, c'est le moment des primes. Ah, puis alors le beau moment de déprime, quoi. Oh, c'est horrible. C'est la fin du jeu, tu crois? Je sais pas. Mais je crois pas, en fait. Mais ça y ressemblerait, en fait. Elle a récupéré la lune et les étoiles. Regarde, c'est toutes les lucioles. C'est bizarre. C'est là qu'on était au tout début. Vous allez pas me dire qu'elle crève, hein, parce que franchement, ce serait bien pour Rav quand même. Oh, c'est sa maman! Vous avez entendu, je fais plus un bruit. Hein. Si c'est à maman. Mais ta gueule! Tiens, maman. Vous me perdez ta paix. Chaque éternu. Ceux qui trouvaient que c'était trop... Elle a retrouvé sa maman. Venue Uber, la meuf.
En soi, c'est le boss de fin. Soit on va pas avoir à la combattre. Bon, ça m'étonnerait. Et canon comme ça. Je vais faire chier ma petite larme. Tu vas faire chier ta petite larme? Donc boss de fin. Ça te prend en chier? Par contre, on va peut-être couper et faire prochain épisode parce qu'il est quand même 30 minutes. Voilà, alors on va faire ça. Donc on vous souhaite un bon tour. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Quand ? Prochainement. Pour le combat du boss, je pense, de fin, ouais, qui je pense va être tendu du cul. Tendu du cul. Mais bon, on va y arriver. Alors tendu comme le string d'une grosse. Sur ces mots poétiques qui vont bien au jeu. Bye bye. Ciao.